Bon, bah, une fois n'est pas coutume, on a pris une voiture, on a loué une voiture à Port-Pin et on part pour Montpellier. Alors pourquoi? Parce que bah, d'abord à cause de l'avarie qu'on a eue sur le bateau, bah, ça nous a obligés à revenir sur Toulon. Et une fois bloqué à Toulon, bah, la météo pas bonne du tout. On a d'abord eu un premier coup de vent important d'Est qui a soufflé là depuis 2 jours et maintenant c'est passé Mistral, donc ça veut dire Nord-Ouest. Et bah, c'est des conditions qui ne sont pas agréables. Et vu ce qu'on a à faire à Montpellier 7, eh bien, on a décidé de laisser le bateau à Port-Pin, volant à côté de Toulon, de louer une voiture et de faire l'aller-retour sur 2 jours. Trois petites heures de route qui rappellent à quel point les notions de temps sont différentes à terre et en mer. Un rythme qui cadence nos vies et régule nos émotions. La route de Montpellier nous fera passer en Camargue, où les flamants roses seront nombreux. Je ne peux pas m'empêcher de marquer une petite pause pour admirer leur vol majestueux. Trêve de tourisme, nous avons une longue journée demain qui débutera par une conférence à l'école d'ingénieurs EPF. L'objectif est de sensibiliser les étudiants, bien sûr, même si très objectivement les consciences environnementales de cette nouvelle génération sont très poussées, mais il s'agit surtout d'encourager les enseignants et les étudiants à rejoindre le programme Ingénieurs pour l'océan de Thalas et ainsi les amener sur le long terme à prendre part aux expéditions. D'abord au travers de l'équipement low et high-tech du catamaran, mais aussi auprès des héros de l'océan que nous rencontrerons partout sur la planète. L'enjeu est grand. Et bonjour, on est aujourd'hui ici à Montpellier, à l'école d'ingénieurs EPF. On va rencontrer les étudiants. Alors ça fait partie des objectifs de cette première expédition en Méditerranée française. L'idée c'est quoi? L'idée c'est d'abord de sensibiliser à l'océan, comme toujours. C'est aussi de prendre un petit peu la température, se rendre compte à quel point les étudiants sont alertes et avertis. Et c'est surtout pour nous une occasion formidable eh bien, de les convaincre, de les inciter à nous rejoindre et de participer à l'expédition tout autour du monde, à la fois auprès des héros et également dans l'équipement du bateau, tout comme on l'a prévu dans les relations avec l'ingénieur, ingénieur pour l'océan. Alors, je me présente. Je m'appelle Thomas Capitaine. Donc on a un rapport à la mer tout à fait particulier. Et ce rapport à la mer, eh bien, je l'ai eu malgré moi, parce que mon cursus n'a pas du tout été lié à l'océan. Ce qui a aidé à prendre cette décision, c'est une expérience. Trois heures de débats, de discussions et de connaissances partagées ensemble, ici, au sein de l'école. Trois heures qui traduisent la volonté, désormais, de ces ingénieurs techniciens de ne plus prendre part à la destruction de notre planète. C'est un défi immense qui s'ouvre devant eux, et plus encore pour les entreprises de l'ancien monde, qui peinent à se réinventer et donc à recruter ces jeunes pour qui le salaire ne suffit plus. C'est un véritable changement de paradigme que nous constatons depuis déjà plusieurs années, mais qui monte en puissance et semble indiquer que la transformation de notre civilisation ne passera pas par les décideurs politiques, trop lié aux intérêts des grands groupes économiques pour agir, mais bien par cette jeune génération déterminée, avertie et, disons-le, effrayée par cette réalité qui nous guette. C'est une source d'espoir,
d'énergie et de solutions que doivent canaliser les enseignants des établissements supérieurs pour accompagner cette nouvelle forme de vie et de citoyenneté qui émerge seule au cœur d'un monde écartelé entre le confort destructeur et le sacrifice durable. De retour au catamaran, nous ne perdons pas une seule seconde. On prépare le bateau et demain matin, nous larguons les amarres vers la cité phocéenne où un héros exceptionnel nous attend à Marseille, Luc Vanrel. Véritable légende de la plongée archéologique, il est l'inventeur d'incroyables épaves et il est le conservateur officieux de la grotte Cosquer. C'est à ce titre que nous allons à sa rencontre. En effet, la grotte Cosquer est une grotte préhistorique sous-marine qui a vu son atmosphère conservée pendant plus de 20 000 ans. Elle représente donc un référentiel climatique unique. C'est donc la question que nous poserons à Luc. Le climat est-il vraiment en train de changer? Vous n'êtes pas prêt à entendre sa réponse. Allez, il est 6h, on est lundi matin, il est moins de 6h, il est 6h moins le quart, et on est attendu ce midi à Marseille. On a à peu près 6h de nav. Le temps est bon, normalement on devrait avoir une mer dans le nez et du près, donc je pense que ça va pas être la nav la plus agréable du monde, mais ça dure 5h, donc bah, c'est parti. Pas été tendre avec nous sur cette courte navigation, mais le plus difficile a été juste avant d'arriver à Marseille, dans le parc national des Calanques. Le vent, s'engouffrant entre les îles et descendant des falaises au-dessus de l'eau, créait des couloirs de rafales très difficiles à anticiper et à gérer. Imaginez-vous, en 100 ou 200 mètres, il était possible de passer de presque pas de vent à des rafales à près de 80 km/h. Et dans ces cas-là, eh bien, comment régler ces voiles? Alors là, on a entre 22 et 30 nœuds de vent apparent. Comment est-ce qu'on met la voile? Là, le problème ici, c'est qu'il y a plein d'îles en fait, des îles assez hautes avec des couloirs de vent. Et avec le vent comme on l'a là, c'est-à-dire un vent d'est, donc qui rentre dans tous les couloirs, bah ça fait que tu vas passer à certains endroits où on avait 8 nœuds de vent, et 200 mètres après, tu as 32 nœuds. Donc là, la meilleure chose à faire, enfin, en tout cas, ce qu'on a choisi de faire, c'est de ne pas mettre de voile. Tu ne mets pas de voile, tu fais moteur, et puis tu ne prends pas le risque. Parce que là, les effets de site sont vraiment trop importants, ils sont même dangereux. Donc là, éventuellement, ce qu'on aurait pu faire, c'est rester à 3 ris grand voile et puis un torchon de génois à l'avant et s'embêter alors qu'on est à 1 mile de l'arrivée, c'était pas le bon calcul. Qu'est-ce que ça veut dire partir au lof? Partir au lof en fait c'est un mouvement mécanique du bateau. C'est-à-dire qu'un bateau, alors sur un catamaran c'est moins flagrant, c'est flagrant avec beaucoup de vent et au portant surtout. Mais sur un monocoque en fait ce qui se passe c'est que quand il y a une survent, c'est-à-dire qu'il y a trop de vent par rapport à la voilure, ben en fait le mono il va s'incliner. Et en fait au bout d'un moment il va tellement s'incliner qu'il va perdre en portance, en plan de dérive. Et ce qui va se passer c'est que naturellement, tout à fait mécaniquement, il va mettre le nez face au vent.
Donc lofer, ce qu'on appelle le terme lofer en voile, sur un bateau, ça veut dire se mettre face au vent, c'est ça que ça veut dire, c'est se rapprocher du vent. Et partir au lof, ben, c'est une façon involontaire de se retrouver né au vent. En fait, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est un effet de site ? L'effet de site, c'est une modification du vent très localisée qui est due en fait à la topographie. Et c'est hyper dangereux, et c'est pour ça que la Méditerranée, elle est hyper vicieuse. C'est parce qu'en fait, la Méditerranée, c'est que des montagnes. D'un côté, t'as les Pyrénées, de l'autre côté, t'as les Alpes, et entre les deux, c'est quand même assez vallonné. Là, à Marseille, tu vois, il y a quand même des massifs un peu partout. Par exemple, moi, je me souviens d'une anecdote, c'était Fleur Austral. Quand Fleur Austral était venu à Monaco, Philippe Poupon, tout de même Philippe Poupon, qui a navigué, qui était dans l'équipage de Tabarly, qui a fait le tour du monde je ne sais combien de fois, Philippe Poupon, il nous a dit la seule fois de sa vie où il a mis les barres de flèches de Fleur Austral dans l'eau, c'est-à-dire qu'il est parti au lof parce qu'il a été surpris, c'était devant Monaco. En partant de Monaco, ils se sont fait surprendre par un effet de site, et Fleur Austral s'est retrouvé avec les barres de flèches dans l'eau. C'est exactement le genre de choses qui arrivent, et c'est pour ça que la Méditerranée, elle est aussi dangereuse. Alors après, chacun fait ses choix. Moi, j'ai pas envie de casser mon bateau, j'ai envie de préserver la sécurité, pour qu'on puisse mener notre mission sans prendre de risques. Arriver par la mer à Marseille a quelque chose d'irréel. Les îles du Frioul d'abord, sublimes, puis ces bâtiments historiques que l'on croirait sortis d'un roman fantastique. Le Fort Saint-Jean, le Palais du Pharo, le Mucem. Et pour clôturer ce spectacle saisissant, la traversée du vieux port pour rejoindre le Quai d'Honneur juste devant la mairie de Marseille. C'est les yeux grands ouverts que nous atteignons cette destination qui va nous réserver de nombreuses surprises. Mais ça, on ne le sait pas encore. Dans la prochaine vidéo. Si aujourd'hui on ne prend pas les bonnes décisions, on peut dire que l'humanité est perdue, hein, clairement. Et voilà, on a récupéré le colis. Et n'oubliez pas de télécharger l'application Thalas Océan. Elle est gratuite, disponible sur Android et iOS, et c'est le meilleur moyen de suivre l'aventure sans en rater une miette. Informations sur l'océan, agenda, position du bateau, carnet de voyage, vidéos exclusives, concours et surtout des notifications pertinentes pour être toujours tenu informé des actualités de Thalas et du monde marin. Vous êtes aujourd'hui plus de 2200 à avoir embarqué avec nous. Et c'est une immense fierté de vous savoir à nos côtés. Merci. Vous qui nous regardez, n'hésitez pas vous aussi à partager la vidéo. Plus on est nombreux à découvrir toutes ces informations incroyables, eh bien plus on avance pour la préservation de l'océan et plus ensemble on fait grandir la famille de Thalas, toujours avec le même but, c'est créer et préserver notre avenir à tous.